Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur une tier list. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais j'ai vu des vidéos passer de tier list. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une tier list YouTubeur Minecraft. Et du coup, je vais les classer. Et puis voilà. Hein. Donc, il y a plusieurs classements. Attends, comment on dit ça? Tier? Ouais, peut-être. Bon, je sais pas. Bon, il y a le meilleur, hein, les GOAT. Après, il y a je kiffe, ça passe, pas ouf, et je connais pas. Parce que j'ai regardé un peu, il y en a que je connais pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Du coup, bah, on est parti pour faire cette petite tier list. Et on en fera sûrement deux ou trois, je sais pas, je vais voir. Je pense plutôt deux, je vais voir. Voilà, donc on est parti. Hein. Alors, déjà ça, je connais pas du tout. Genre, c'est qui? Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires, si quelqu'un connaît, ce serait cool parce que je sais pas c'est qui. Voilà, après, bon, Lined, hop, multicore, bam. En vrai, j'hésite à les... Non. En GOAT, c'est chaud de les mettre en GOAT, quand même. Alors, Aspaz, je kiffe, c'est trop bien. Natop, pareil. S'abonner, hop, nickel. Agent GB, je regardais avant, mais... Il a changé un peu son style de vidéo. Du coup, pense mettre ça en pas ouf. Enfin, pas fou, pardon. Red Kill. Pas fou, hein. J'aimais bien avant, mais... Il fait du Roblox en ce moment, je crois. Un truc dans le genre, non? Il fait pas du Roblox? Je sais plus. Hypierre, j'ai jamais vraiment regardé. J'ai dû regarder une ou deux vidéos, donc... Je peux pas tellement juger, donc je mettrais dans pas fou, même si en gros j'ai jamais regardé, donc ça je me souviens plus de son nom, mais j'ai jamais regardé, genre vraiment. Après il y a Fuse, il va dans les GOAT, hein. Il est fort, hein. Il va directement dans les GOAT. Ninjax, c'est cool, c'est pas mal ces vidéos. J'aime bien. Sifano, je regarde plus du tout. Donc, allez, ça passe. Magic Nup, j'aime bien. Donc, ça passe en vrai. J'ai oublié son nom à lui. C'est comment? Aurélien Sama, c'est ça? Si je me trompe pas. Et bah, j'ai jamais regardé. Donc, vu que j'ai jamais regardé, je mets là. Même si je connais, je. Fiviel, bah j'aimais bien avant, je regardais comme Sifano et tout, là je regardais tout, c'était trop bien. Mais il y a un moment où j'ai un peu arrêté, donc je vais mettre dans sa passe. Furious Jumper, il est très fort. Il a arrêté les vidéos Minecraft, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il est très fort, une vidéo par jour, t'imagines. Il est trop fort ce mec. Donc je le mettrai dans... Je regarde plus ses vidéos, mais... Vu qu'il est fort, je pense que je sais pas où le mettre en fait. Il est vraiment trop fort. Je le mets en sapasse, mais genre en sapasse premier. Enfin, Soran, paf. Shawen, paf. Je connais pas. Je connais sa pépé, mais c'est tout. Oxylac, j'ai regardé avant. Et j'aime plus du tout ce qu'il fait, enfin je crois. Ça je connais pas, mais voilà, j'hésite à en mettre quelques-uns en GOAT. Genre multicore, c'est pas mal quand même. En fait ils sont tous bien ceux-là. Ninjax, un peu moins. Je préfère tout cela que Ninjax. Genre vraiment, Soran, il est trop fort à Minecraft. Flawen, c'est un bolos, mais il est trop drôle. Natop, il est trop bon. Aspaz, il est trop bête. Multicore, il est drôle. Et Lined, il est drôle. Du coup, je sais pas si j'en mets un en GOAT ou pas. Genre, j'hésite parce que
Je les aime tous en fait, ils sont tous trop bien. Alors vraiment, Multicore, il fait pas souvent des vidéos, même s'il en fait en vrai, il en fait beaucoup. Mais genre par rapport à Espace, c'est pas la même chose. Enfin, je crois. Et du coup, je sais pas. Hein. Multicore, c'est bien. J'adore aussi. Je vais mettre la Multicore quand même. Allez, bouge. Ok, bon, il est là. Aspaz, très bon youtubeur aussi. Natop, oh là là, j'hésite. Hein. Soran, je l'aime bien. Soran, mais qu'est-ce que. Mais Lined aussi, je l'aime bien. Vas-y, ça me saoule. J'ai envie de tous les mettre là. Tac, les goats là. Voilà, j'ai envie de faire ça en fait. Mais non, parce que après ça fait trop de goat. Ah, oh, j'hésite. Hein. Ils sont tous trop bien. Fort. Bon, voilà, je pense que c'est une belle tier list. Une belle petite tier list. Voilà. C'est vrai que là, moi, j'aimerais tellement les mettre tous en goat. Bon, allez, on passe à la deuxième. C'est parti. Re les gens, donc on est reparti pour une autre tier list. Donc là, ça va être une tier list des mobs. Des mobs, bah, y a pas tous les mobs, hein. Enfin, c'est même sûr. Et du coup, bah, on va voir quels sont les mobs que je préfère et ceux que je déteste, hein, bien sûr. Donc, on a plusieurs tiers. On a Goat, trop cool, c'est mon pote. Bof, pas ouf, nul, claqué au sol. Donc on va commencer par le cheval. Le cheval, c'est cool en vrai, parce que tu peux l'apprivoiser. Tu peux l'apprivoiser et tu vas trop vite avec. Donc j'hésite. En vrai, c'est mon pote. C'est grave mon pote. Un cochon, ça donne de la bonne bouffe. Mais sinon, en vrai, ça donne de la bonne bouffe, genre vraiment. Moi je dirais même en... C'est mon pote. Non, elle est bof. Toi, pas fou, hein. Pas trop le mouton, ouais. Lapin, nul. C'est trop chiant à chasser. Les poules, c'est nul, ça se suicide. Alors, t'arrives... Ils sont hors de l'eau, ils meurent. C'est nul. C'est claqué au sol. Les striders. Pas fou, hein. C'est pas fou. Chauve-souris. Nul. Les villageois. Enfin. Ouais, les villageois. En vrai. Ça va dans du bof. Toi, par contre. Toi, t'es vraiment nul. Le saumon, par contre. Ah, ça j'aime bien. Ça je trouve ça cool. Parce que aller les chasser là dans l'eau, ça te rapporte de la bouffe gratos. T'as pas besoin de chercher du cochon et tout. Tu sais, genre tu vas dans l'eau, tu trouves du saumon et puis c'est bon. Abeille, je sais pas ce que ça fout là vraiment. À quoi ça sert, voilà. Attends, c'est araignée venimeuse. Bah alors là, mais c'est tellement chiant ces trucs. Je vais mettre en claqué au sol, c'est trop chiant. Quand ils te mettent du poison là, dauphin, c'est trop cool. Genre, tu vas trop vite avec. Enderman, en vrai, c'est mon pote. Hein. Ouais, non, peut-être pas quand même. Ah, si, c'est mon pote. Iron Golem, c'est vrai que c'est pas mal. Mais, en vrai, je le mettrais en bof. Ça va, genre. Un lama, ça te crache dessus. C'est nul. Un panda sert à rien. Ça c'est un piglin. Je dirais c'est bien pour les échanges, genre ça t'échange des trucs pas mal. Et du coup bah toi ça c'est les piglins quand ils vont dans le overworld, non, je sais plus. Je vais le mettre en bof. Voilà. Un ours. T'es nul, hein, tu sais rien, peut faire chier.
peut faire... Oula, je sais plus parler. Pufferfish, c'est claqué au sol. Araignée, c'est trop chiant. Hop, 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 tu repasses là. Les loups, c'est trop cool. Le creeper, c'est trop chiant. C'est nul. Zombie dans l'eau, là. Alors, avec son trident, là. Ils sont tellement, tellement, mais tellement chiants. Je vais mettre un claqué au sol, hein. Le gardien, je crois. Guardian. Oh, c'est pas mal. C'est un petit boss. En vrai, il est sympa. Il est pas trop dur à battre. Enfin, faut être un peu stuff quand même. Mais en vrai, c'est pas mal comme petit boss. Alors, ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait dans le jeu. Hein, les Eldermite. Je sais plus comment ça s'appelle. Endermite. Enfin, c'est un truc dans le genre. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là, mais c'est stylé en vrai. Je le mets en bof. Oglin, oh là là. Mais là, c'est le démon. Non, le truc, c'est trop fort. Ça prend aucun KB. Et ça te pousse, mais trop loin. Vraiment, zombie comme ça là. Le zombie comme ça. C'est un peu chiant, mais en vrai, c'est stylé, je trouve. Ça rajoute un peu de. Ça rajoute des mobs dans. Attends, comment je pourrais dire, genre bon rien, allez, je sais pas parler, c'est bon. Magma cube, c'est nul. Toi, voilà, hop. Alors toi, hop. Non mais les fantômes là, trop cher ça. Il est ce truc là, c'est vraiment le démon, comme le Oglin là, c'est trop chiant. Genre, ça met des dégâts de fou ce truc. Et ça a trop de vie. Non, c'est trop chiant, ouais. Les shulkers. C'est pas ouf. Allez, silverfish. C'est vraiment chiant. Hein. Vraiment, quand on croit de. Squelette, c'est pas fou. Pareil. Slime. Slime, en vrai, c'est bof. Squelette sur une araignée. Je vais le mettre au même rang. Je vais le mettre là. Les squelettes du froid, là, je sais pas comment il s'appelle. C'est stylé, en vrai. Ça va avec le zombie. Pareil. La vache. Voilà. La champimeux, en vrai. En vrai, c'est cool. Et moi, je le mets en goat. Je trouve ça trop bien. Alors ça te donne des soupes limités, c'est trop bien en vrai. Oh là là, les vex. Hop, ça dégage là, les vex. Les vex, c'est trop nul. Sorcière, papa, c'est nul. Wither squelette, c'est pas fou. Ender dragon, c'est cool en vrai. Il est stylé hein, l'ender dragon. C'est un bon boss de fin en vrai, j'aime bien. Le wither, c'est pareil, j'aime bien ce boss. Le renard. On est pas trop côtoyé, tu vois. Non, en vrai, les renards, c'est stylé. Je trouve ça joli. Je trouve ça pas mal, en vrai, les renards. C'est quoi ? Je vais mettre les boss, là. Voilà. Bon, bah, voilà pour ma deuxième tier list. Je pense que c'est pas mal, en vrai. C'est une belle tier list. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé la vidéo. Parce que c'est pas souvent que je fais des tier list, j'en ai jamais fait. Donc si vous voulez d'autres tier list, moi je suis chaud d'en faire sur d'autres jeux, mais moi genre sur Warzone, je sais pas. Je sais pas s'il y a des tier list à Warzone. Et du coup voilà. Bon et bah les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche. Et moi, c'est Darkest. Tchuss.